Bon, est-ce qu'on peut y aller, s'il allez, vous plaît? Allez, on va y aller. Moi, je suis habitué à des plateaux beaucoup plus gros que celui-là, et croyez-moi, ça va plus vite. Bref, le monsieur a fait taxi. Oui, entre autres. Je sais pas, j'ai rien vu d'autre. Oh, moi, je connais pas. C'est 7 millions d'entrées en 3 films, pardon. Je suis dans, s'il vous plaît. Ah, j'ai plus envie de le faire. Je peux partir. Il y a l'esprit, hein. Salut les rap gamos, si vous avez un meilleur nom, dites-le en commentaire. Moi je suis Mehdi Maizi, et toi tu regardes Rap Jeu, et je sens que tu as très envie de t'abonner et d'activer cette cloche. Aujourd'hui, épisode spécial validé, oh, casting extraordinaire, profitez hein, parce qu'aujourd'hui vous les voyez gratuitement, bientôt ce sera 10€ par mois pour les voir en non crypté. Il faut profiter de vous, je crois. J'ai envie de dire ça, voilà, ça fait plaisir. À ma droite, un grand fan de la série Entourage. Oui. C'est vrai? Exactement. Tu as eu plusieurs vies, attaqué par des putes bulles dans l'équipe de Pourceux. Exactement. Tu as aussi dressé le chien rentemplant dans les Dalton. C'est vrai, oui. Oui, on a... Non, vous avez bossé. On a quelques infos. D'où le chien. Bravo. Ouais, très bien. Puis tu t'es mis au télé-shopping Kaira pour finir comme un des réalisateurs les plus bankable de France. Est-ce qu'on peut rappeler le nombre de millions d'entre eux, s'il te plaît? Non, je peux pas parce que je suis quelqu'un de modeste. Tu peux dire très bien. Et vient de finir avec Validé, donc une des séries hein, qui a plus de rappeurs qu'en 20 ans de victoire de la musique. Franck Gastambide avec nous. Merci d'être là. Merci beaucoup. Bravo. Avec toi, un rappeur, le croqueur en chef du rap francophone, un rappeur qui vient de la ville d'Alain Juppé et de Lyon-Asseland. Tu es évidemment rappeur, je l'ai dit, ghostwriter, topliner, reconverti en acteur, évidemment, t'as vu dans les films Les Passions, La Vie scolaire, La Surface de réparation, et désormais, la série Validée, où tu joues une tête d'affiche du rap français qui ne supporte pas qu'un rappeur en featuring soit meilleur que lui. Toute ressemblance avec la réalité est évidemment fortuite, j'imagine. Totalement. Ça, c'est toi qui le dis. Sam, c'est avec nous. Face à eux, que dire de cette personne? La légende raconte qu'il a été international de football tunisien en équipe de jeunes. Oui, bien évidemment. La légende est-elle réelle ou pas? Une présélection. Voilà, c'est vrai, frérot. J'ai envie de te croire. Ah oui, mais attends. Il a tourné au moins 2 ans de micro-trottoir à République. Hein. C'est un peu ton fief là-bas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Un très bon client de Camel chez Carthage Coiffure, rue de Lancry. Hakim Djemili est avec nous. Ça me fait plaisir. On peut applaudir, ma foi. On peut t'applaudir. Et pour t'assister à un coéquipier d'exception, puisqu'il fait des interludes marrantes dans des clips de rap français avec une fausse moustache, ça c'est pas donné à tout le monde. Dans la série Validé, il est l'indispensable sidekick rigolo, on peut le dire. Brahim est avec nous, comment vas-tu? Ça va, super. Très heureux de ce casting. Je tiens à dire quelque chose quand même, c'est que dans Validé, hein, vous avez fait un peu tous les médias rap, Move, Skyrock, etc. En revanche, vous n'avez pas fait rap jeu. Avec Sam, je me dédouane. Ça, je te mets dans le bourbier. Mmh, avec Sam, ouais. On tenait absolument à ce que tu sois dans la série. On t'a appelé pour ça. C'est vrai, Franck m'a appelé. Et tu n'étais pas dispo, et je dois dire qu'il manque quasiment que toi. Voilà, donc est-ce que tu serais d'accord pour apparaître dans la saison 2? Alors, évidemment, et je suis très convaincu par cette réponse, j'ai envie de donner 2 points. Voilà, ouais, j'aime, 2 points. J'aime ça. Je suis désolé. J'ai adoré, il m'a ému. Je suis désolé, il m'a ému. Voilà. 2 points. Donc, saison 2, tu y es. J'y suis. Merci. Ça me fait très plaisir. Frérot, saison 3, moi. T'as un pouvoir là-dessus ou pas? Ok. 2 points. Comment ça, 2-2? C'est génial. Tu connais. Un réalisateur à succès, un rappeur acteur, un mec qui joue dans l'équipe de S'Enfoiré et un homme en spectacle au théâtre de l'Européen en mars. C'est un peu de promo. C'est gratuit, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Rap jeu, c'est déjà mieux que les Césars et c'est tout de suite. On va commencer par vos noms d'équipe. Si vous deviez décrire Validé en un mot, vous diriez quoi? Putain, alors ça? On va garder ça, merci. De votre côté? Zabdé. Magnifique. Nous aurons ici les MC. Ouais. Putain, alors ça. Face au DJ Zabdé. Voilà. Rap jeu, c'est parti. Mieux leur nom. Rap jeu, ça peut commencer. Première épreuve, le Raptor Studio. Ça va être très simple, je vais vous donner des noms de rappeurs. Ouais. Vous allez me dire s'ils ont déjà fait du cinéma ou pas. Ça va être de la rapidité, évidemment. Est-ce qu'on peut tester les buzzers? Ça marche. Fianso. Oui. Oui. Un point en plus si tu me dis un film dans lequel il a joué. S'il te plaît. S'il te plaît, Brahim. Les Sauvages. C'est une série. C'est une série. C'est une série. C'est pas un film. On enlève le point. Alors déjà, s'il vous plaît, c'est 2 points ici, merci. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien joué, Zappi. Reza. C'est peut-être un autre niveau. C'est Reza. Non, non. C'est faux. C'est faux. Il a joué dans American Gangster et Ghost Dog, notamment. La Fouine. Oui, oui, oui. Bah oui. Non. Comment le film? Ouais. Vous avez un titre ou pas? Oui, on a un titre. J'ai l'impression que non. Moi, je l'ai, mais... C'est bon. Interroge les musulmans. Alibi. Non, non, non. Non. Alibi.com. Non, mais voilà, c'est ce qu'il a dit. Sur la vie de ma mère, il a dit Alibi. C'est vrai, pas. T'as dit Alibi. T'as dit Alibi, frère. C'est Alibi, c'est dedans. Mais non. Je crois pas que c'est dedans. Il est dedans. Parce que la vie, il est dedans. Il est dedans. C'est celui qui a le bouc à la Fouine. Eh bien. Eh ben oui, Alibi.com, il est dedans. Il est dedans. Merci. Il est dedans. Merci. Il est dedans. Il a dit Alibi, il a pas dit Alibi.com. Non, c'est Alibi. Sam, s'il te plaît. Sam, s'il te plaît. Un point partout. Un point partout. Joey Star. Oui, police. Bravo, 2 points. Entre autres. 2 points ici. Ruff. Oui. Non, Ruff, jamais de cinéma. Il a dit oui d'abord. Non.
Il a dit oui. Hakim Jimili, toi, un grand fan de Rof, je prends sa réponse et finalement c'est non. Merci. Donc c'est un point pour vous. Est-ce que même s'il a fait une voix, il a fait une voix. Tu l'as. Tu savais pas. Dans Arthur et les Minimoys. Un point ici. Je donne un point. Ok. Oh, c'est beau. Joker. Non. 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 Voilà. C'est vrai, j'ai tapé en premier. Mais t'as pas tapé, t'as dit le truc. Il y a la VAR ou pas? Est-ce qu'il y a la VAR? Non. Oui, mais j'ai pas envie de l'activer. Ah d'accord. Voilà. Je fais ce que je veux. Booba. Non. C'est où? On me dit que c'est là. On tape pas. Évidemment qu'il a jamais joué dans un film. Bonne réponse. Un point. Pardon. Pardon. Vas-y. Pardon. Il a joué dans un court-métrage réalisé par Chris McCarry. C'est un tout petit moment où il dit salut dans une voiture. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais tu m'as convaincu. Je donne un point. Merci beaucoup. Nous, voilà. Mais tu vas te renseigner et tu verras que je te dis la vérité. Mais je te crois. Salif. Non. Bonne réponse. Alors, mais sache que Jacques Audiard le voulait pour le rôle de Latif l'Égyptien dans Un prophète. Et il a dit non. Exactement. D'ailleurs, quand on lui avait demandé pourquoi il avait décliné ce rôle dans Un prophète, Salif avait répondu tranquillement, en souriant, « Je me suis jamais présenté au casting parce que je suis un mec chelou. » Il était cool, Salif. Cardi B. Oui. Absolument. Est-ce que tu as un film? Un film où il y a plein de meufs qui font les strip-teasers, je crois. Ça s'appelle là Queen. Hustler, un truc comme ça. Absolument, c'est Queen. Ça. C'est ça. Queen. Queen. Ouais, c'est Queen, c'est Queen. Queens, exactement. C'est Queen, c'est ou Hustler en anglais. Hein? C'est Esprit. On ne bouge pas, s'il vous plaît. Il a demandé 55 ans. Par contre, moi, j'ai l'invocation Esprit Noir. T'as quoi? Quand je connais pas ma question, j'ai l'invocation Esprit Noir, il peut me souffler la réponse. Ah non, bah non. Il l'a fait là? Oui, non. T'as soufflé une réponse. Ah, il a soufflé Hustler en plus. Je l'ai pas invoqué. Je l'ai pas invoqué. D'accord. Je l'ai pas invoqué, mais je peux l'invoquer. C'est n'importe quoi ce jeu. C'est n'importe quoi. C'est le but. Ça, il faut le savoir. Soprano. C'est oui. Où, c'est où? Oui. On dit que c'est là. Oui. Ouais, c'était là. Non. Soprano, oui. A joué dans Taxi 5. Et validé, oui. Validé, frère. Validé, validé. Un point. Et série. Et alors? Et c'est alors pas un film. On a le droit aux séries. Et ton court-métrage avec Chris McCarry, c'est quoi? C'est un film. Ouais, c'est ça. C'est un film. Court-métrage, c'est un film. Mais on film parle avec des gens qui connaissent rien. Un point. Moi, je veux pas jouer avec eux. T'as même pas le câble. Bah, t'as le câble, elle est castée, hein. Black M. Bah oui. C'est là. Bah oui. Pardon? Quelle est la réponse? Bah oui. Bah oui. C'est la bien réponse. C'est très bien ce bah que oui ça veut dire, me dis ça. Eh bien oui. Bah il oui a joué. Bah oui. Est-ce que tu as le film? Le film. Et le mec, quand il sait pas un truc, il redit le film. Il a joué dans le film La pièce de Dawala. Ouais, voilà, c'est dans la pièce qu'il voilà a joué, mais exactement. Tu l'as pas dit. On s'en fait un dernier. Et là, pour avoir les points, il me faut le film. Voilà. Okay. Okay. Sadek. Depardieu, j'ai rien oui Depardieu. Avec c'est, pas, mais non, c'est pas le nom, c'est le film. Tour de France, Tour de France. Tour de France. Bravo de France, oui bravo. Deux points ici. Curieusement, les rappeurs US sont très très présents dans le cinéma d'horreur. Par exemple, Busta Rhymes était dans Halloween, La Résurrection. Il avait deux face à face avec le tueur. Dans le premier, il ne comprend pas qui c'est, du coup il l'engueule, et ça marche. Et dans le deuxième, il se met à faire du kung-fu en imitant les petits cris à la Bruce Lee, et ça marche aussi. Il y a eu des hauts et des bas dans la saga Halloween. À la fin de chaque épreuve, vous avez le droit entre une carte mystère et une carte puriste. Les cartes mystères, c'est vous pouvez gagner ou perdre des points de manière complètement arbitraire. Une carte puriste, c'est une question sur le rap français. Et à vous d'y répondre correctement, vous pouvez prendre des points en plus. Okay. Est-ce que vous souhaitez tirer une carte mystère ou une carte puriste? Une question puriste? Oui. Très bien. Merci beaucoup. Alors, par quel morceau démarre l'album Panthéon de Booba? Par le morceau Panthéon. Bien tenté. C'était Talak. Messieurs, carte mystère ou carte puriste? Puriste. Puriste. Quelques gouttes suffisaient les premiers albums de qui? D'Arsenic. 5 points ici. C'est facile. Quoi? Mais en plus, il y a la rapidité. Bon. Ah, ça, c'est facile. Ouais, mais là, c'est le seul contact qui était fort. Ok, c'est quoi le nom du deuxième album d'Arsenic? Bah, quelques minutes suffisent. Un point pour la vanne. Un point pour la vanne. On voit que c'est ton métier quand même. 11 à 17 et on passe tout de suite à l'épreuve suivante. Le je sais pas qui je suis. Alors, c'est très simple cette épreuve. Un des équipiers va devoir porter un bonnet. Ce qu'il y aurait écrit un nom, nom d'une personnalité ou de quelque chose. Et la personne qui va le porter essaiera de deviner ce qu'il y a écrit en posant des questions à son coéquipier. Il y aura une minute pour trouver la okay personne. C'est clair? C'est très clair. On va commencer avec vous, comme vous êtes mené. Ah non. Qui veut porter le bonnet? Est-ce qu'on peut me ramener les bonnets? Pourquoi il est en peignoir? Ouais, il aime ça bien. Mais mets-toi en son cas, là. C'est qui et qui, attends. Mets-toi à l'aise, gros. Qui le porte? Hakim, Brahim. Tu ne dois pas regarder Brahim, attention. Je ne regarde pas. Let's go, let's go. Homme? Oui. Femme? Non. non. Acteur? Ouais. Il y a un doute quand t'as dit acteur, là. On est tranquille, on peut boire un que il fait des films? Ouais. C'est très mal parti, en tout cas. Non. Non, c'est foutu. Putain, c'est pas vie, ça. Âgé? Non. Non.
Enfant pas. Non. Il reste combien de temps? Il reste 30 secondes. ZB, c'est quoi ZB? Attends, mais continue. Mais tu, c'est un homme ou c'est pas un homme? C'est un homme dans The Combo. Jeu vidéo? Oui, il a fait. Il est jaune? Non. Batman? Oh! Il a tout fait. Comment c'est possible? Attends, jure sur la vie de ta mère, t'es passé de jeune à Batman. Mais frère, il est chaud, Brahim. Mais c'est à cause du Red Bull. C'est à cause du Red Bull. Mais oui, Brahim, s'il te plaît. Je bois du Red Bull. Mais dis, s'il te plaît, je tiens à dire une chose. Est-ce que tu as triché ou pas? Je n'ai pas triché. J'ai dit Pac-Man au début. J'ai vu, il avait un doute. J'ai dit Batman. Il m'a dit oui. Je suis convaincu. Merci. Je donne 10 points. Merci. Voilà, Zabé. C'est ça, Rafi. On travaille ensemble. Oui, c'est vous êtes des tricheurs. De votre côté. Très bien. Je porte le bonnet. Tu regardes pas. Ah, ben non, moi, je m'appelle pas Brahim. Êtes-vous prêt? C'est un homme. Top. C'est un homme. Je crois que c'est un homme, ouais. C'est un homme, ouais. Il fait quoi? Il fait du sport? Non. Il fait du spectacle? Oui ou non. Ça a des rapports avec le spectacle. Spectacle, ouais. Je sais pas. J'ai 10 secondes. C'est un homme. Tu lui souffles pas le mot. Non, c'est un site internet. Quoi. Non, j'ai pas entendu. Il reste 30 secondes. Perds pas de temps, Sam. Alors attends, c'est quoi? C'est une marque? Presque, ouais. C'est une marque? C'est un truc connu, ouais. C'est un truc connu? C'est jaune? Non. Batman? Google? Non. C'est pas Google? Non. C'est quoi, un truc sur le sport? C'est un site internet? Oui. C'est un site internet sur le sport? Non. Sur la musique? Non. Sur la politique? 5, non. Sur. 4, 3, 2, 1, 0. C'était impossible. Quand tu triches pas, c'est plus dur, hein. Il s'agissait de Copy Comics. Oh ouais, mais c'était non. Dur à deviner. C'était pas très évident. Elle était dure. 21 pour vous, 17 pour vous. Messieurs! Carte mystère ou carte puriste? On est des puristes, monsieur. Ça me fait plaisir. Qui a écrit une chanson pour l'honneur d'une pâtisserie à découper? Une pâtisserie à découper? Ouais. Qu'est-ce qu'on découpe? Qui c'est qu'il a fait Madame coupe le cake. 5 points pour vous, bravo. Comment ça mérite 10? Parce que la question, elle était dure. Nous, on a des questions dures, je comprends pas. Non, mais nous, on est clairement boycotté. 7 points, je m'accompagne. C'est pas ça que je t'aime. Je t'adore, tu veux que je te dise? Moi, je t'aime. Non, je t'aime plus. Pour vous? Oui. Carte puriste ou carte mystère? Ça sera la carte mystère, s'il vous plaît. Carte mystère, très bien. Prends la carte mystère que tu veux, voilà. Tu regardes pas. C'est moi qui choisis. Tu choisis. Prends celle que tu veux. Très bien. Tu peux lire? Malus, Salif, dans un esprit Kaira à la moitié, vous refusez de vous conformer aux règles. Et même dans Rap Jeu, où il n'y en a pas, cela vous pénalise. Vous perdez 10 points sur le champ. Oh la justice! Le karma! Oh le karma, cher! Merci! Cher! Vous merde. Repassez à 11, on est en vous Iran, repassez quoi, à l'épreuve suivante, les enchères. Merde. 24 pour les MC putain, alors ça, 11 pour les DJ Zombie. Tu connais. Mais tout va changer, peut-être. Il avec les enchères, l'épreuve reine. C'est quoi les enchères? Je vais donner un thème. Par exemple, rappeur du 93. Ouais. Ce sera pas ça. Vous allez me dire, je peux en citer 12, je peux en citer 13, etc. Jusqu'à ce qu'une équipe remporte les enchères et dise, moi je peux en citer 20. Ah, et l'autre va faire, vas-y, moi j'y vais pas. Ok, c'est lourd. Si l'équipe réussit, elle prend le nombre qu'elle a dit en termes de points. Et si elle n'y réussit pas, c'est l'autre équipe qui prend les 20 points, par exemple. D'accord. Aujourd'hui, le thème est le suivant. Combien de personnages de The Wire êtes-vous capable de me citer? The Wire, ça a aussi contribué à lancer à l'international la carrière d'Idriss Elba. Puisqu'il s'est retrouvé, par exemple, à jouer le rôle de Nelson Mandela dans son biopic. Du coup, je lui ai posé une question, pas piquée des hannetons. What would he think about Nelson Mandela? Mandela had and Stringer have very similar ambition. You know, they want more than they've got. I have that same ambition, so I can imagine that Stringer would have, you know, respected the man. Il était cool, Idriss Elba. Je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu de ma vie, frère. Eh ben moi, alors, on va se la raconter. Non, mais ça compte pas, ça me dit. C'est un peu compliqué, du coup. Vous allez jouer tout seul. Si vous me dites 10 personnages de The Wire, je vous donne 15 points. Alors, il y a Omar, il y a McNulty, il y a... En forêt, McNulty, c'est une invention totale. Non, bien sûr, c'est Jimmy McNulty. Non, on est... Il y a... Eh, je suis un ouf. La pression. Je veux dire que si tu n'y arrives pas, c'est eux qui prennent les 15 points. Alors Omar, McNulty,
Et il y a. Benoît. Il pense qu'il. Toi, t'en as pas ? Non, je. Il connaît pas. T'as pas vu The Wire ? Si. Si. Il y a. Prop Joe. Je trouve que c'est pire que ce qu'il y a. Il y a Proposition Joe. Ouais, 3. 3. Il a dit combien qu'il vous lance ? Il a dit 10. Je suis en panique. Je suis en panique. Parce qu'à 3, il commence à. Marlo Stanfield. Marlo Stanfield. Ouais, 4. Stringer Bell. 5. Evan Barksdale. Il reste 30 secondes. Evan Barksdale. Oui, c'est pas mal. Bubbles. Oui, 7. J'aime bien ce qui se passe. Snoop. Ouais, non, absolument. Il y a Snoop. Si, 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 si. Il y a Michael. Non, oui, il y a Michael. Si, il y a Michael. Il y a Michael. Et le dernier, il y a B-Way. 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 Bravo, B-Way. Ouais, 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 c'est bon. Bravo. Merci. Ça, c'est beau. Bravo. J'ai vérifié. T'as raison. 15 points pour vous. 39 à 11. C'est un match de basket, là. Mais il faut quand même équilibrer un peu les scores, ou là. Est-ce qu'on ferait pas un équilibrage. Une deuxième manche des enchères, là, comme ça. Si. Vous devez me citer des rappeurs rebeux. Tu peux m'en dire combien? 20. Quoi? 20 en une minute, hein. Allez, vas-y. Ok. Oh non, fils de pute. Pourquoi je t'ai dit ça? Je vais être un carnage. Dépêche-toi, je sais pas, moi. Mais pourquoi tu dis? Parce que je voulais faire ça. C'est sur le timing. C'est pas sur le timing. Ça commence quand? Top. Une minute. Sadek. Ouais. 1. Fianso. Ouais. Ornette Lafrappe. Ouais. Lafouine. Ouais. Soulking, Naps. Soulking, Naps. Encore. Nesbill, encore. Nesbill, oui, voilà, continue. Mais pas mal, je suis en train de paniquer. Hus la forêt, oui. La forêt, oui. Zebbi. Zebbi, il doit exister, je le prends, Zebbi, je le prends. Sneezy, okay. Encore. 10. Encore 10, ça vous êtes bon. Frérot, dépêche-toi. Ouais, vous êtes. Ça vous êtes. Tunisiano, encore. Oui. Aketo, oui, 12. Encore. La secrète connexion, Zebbi, tout le monde. Haroun. Oui. Rimka, Rimka. Mokles, 15, ouais. Encore 5, vous êtes bien. Vas-y, dépêche-toi, là. Non, j'arrive pas. Demo One. Encore 4. Encore, vas-y, encore 4, Zebbi, 4. Demo One. Non, là, vous êtes essoufflés, les gars. Non, pas essoufflés. Non, mais il y a du temps, il y a 30 secondes, prenez le temps. Il y a 30 secondes. Il y a 30 secondes. C'est pas mal, c'était bien déjà. Ali, 5, Ali, 4, Ali, encore 3, 3. Dis-moi 3, 3 non. Bien. Putain, c'est bien. Putain, dis-moi. Ah, c'est terrible. C'est terrible parce que vous étiez bon. Mais t'avais 20, c'était ambitieux. Impression. La moitié des points. Non. C'est pas ça. 20 points ici, on passe à 59, s'il vous plaît. Pour essayer de vous refaire, tirez une petite carte mystère. Tire la carte que tu veux. Inch'Allah, il a crié. Imagine, t'as moins 11. Non, oui, pardon. Il faut Malus, lire. Malus, Niska, il faut laisser votre coéquipier lire un message privé reçu sur les réseaux Pouloulou. Ton coéquipier ouais. doit lire un de tes messages. Ok. Et je gagne des points ou pas? Oui, ça rapporte 2 points. Ah, non, je rigole. Non, ça rapporte 10 points. Ok. T'inquiète pas, Brian. Mais tu prends ce que tu veux. Je regarde quand même. Le dernier message, c'est la famille. On la kiffe tous. J'avoue. On la respecte. Kanya Samet, elle a écrit trop de love. Merci. Bravo. 10 points. Ouais. 10 points. 10 points. Et on est dans le thème en plus. Ouais, bah, exactement. Voilà. Bien, exactement. Parfait. Comme on a parlé de Kanya Samet, oui. J'ai envie de donner 15 points. Ah bah, Kanya Samet, on la respecte, on l'aime vrai, beaucoup. C'est vrai. 59 à 26. Passons à l'épreuve suivante, le Roland Filmos. Laurent Filmo, c'est comme le Roland Gamos, mais adapté au cinéma. Okay. Alors, je vous dis le nom d'un acteur, vous allez me dire avec qui. Par exemple, De Niro, avec qui De Niro a fait un film, Al Pacino, par exemple. Si tu veux un film avec qui Pacino a joué, etc. Ça peut durer très longtemps. Et on va commencer, Vincent Cassel. Déjà, à peu près. Tag Maui. Ça y est, Tag Maui. Du coup, on part sur Tag Maui. Bah, Tag Maui a joué avec Hubert Koundé. Absolument. Oh, t'es un génie. C'est pas fini. Ok. Génie. Hubert Koundé, il a joué avec Vincent Cassel. Non. On va pas la prendre, celle-là. Nesbitt. Ah, c'est vrai? Paradise Beach. C'est vrai? Il y a Hubert Koundé dedans? Oui, bien sûr, oui, monsieur. C'est vrai. Voilà, ouais. Nesbitt. Il a joué avec Dossé, Paradise Beach. Ouais. Dossé, il a joué avec monsieur Seth Gecko. Merci. Je vais aller encore plus loin, t'inquiète pas. Seth Gecko, ouais. Il a joué avec Alpha 520. Merci, je l'attendais ça. Alpha 520, il a joué avec qui? Écoute, comment il s'appelle le ouf là? Allez, avec qui Alpha 520 joué? Il me faut 5 secondes. Il a fait. Il a joué dans le film. Il est dans Paradise Beach ou pas? Non. Comment ça s'appelle le rugby bizarre qui parle bizarrement? Le chef-d'œuvre du cinéma français, Paradise Beach. Je crois que c'est une. Non, un échec. Non, c'est bon, c'est il bon. Il a joué dans. Comment il s'appelle le... Ouais, c'est un échec. Ouais. 5 points ici. Vous remportez cette manche. Deuxième manche, Joe Star. Gad Elmaleh a joué avec Anouar Toubali. Anouar Toubali. A joué avec Franck Gastambide. Oui, merci. Franck Gastambide a joué avec Moussa Mansali. Moussa Mansali a joué avec Hakim Jemili. Hakim Jemili a joué avec Michel Blanc. Je te laisse répondre.
Michel Blanc a joué avec Josiane Balasco. Josiane Balasco, elle a joué avec Gérard Jugnot. Gérard Jugnot, il a joué avec qui? Il a joué... Là, on est parti sur des trucs en plus... À l'ancienne de ouf, hein. Ouais. Du grand public. Bah, en timing, là, ça commence à durer. Philippe Mounier. Ouais, il a joué avec Mounier. Mounier? Ouais. Je suis pas bien sûr du nom. Jean-Baptiste Mounier. Ouais. Mounier. Très bien, bravo. Merci, les frères. Et alors, il a joué avec qui? Avec qui a joué Jean-Baptiste Mounier? Mounier. Les Zahagar, les Zahagar. Invocation, esprit noir. Je l'ai. Esprit noir qui est là. Tu l'as, Franck, tu l'as. Mais j'en ai. Qu'est-ce que c'est que cette triche de fou? Avec qui a joué Jean-Baptiste Mounier? Mais qu'est-ce que c'est que cette triche de fou? Non, mais non, esprit noir, c'est des baisers. On a invoqué l'esprit. Ouais, l'esprit. Putain, y'a pas un esprit chez nous? Il a tourné avec Moussa Karamoko. Eh ouais. Esprit, voilà, t'es un haggard. Moussa Karamoko? Oui. Ouais. Ok, très bien. J'invoque ici Nekfeu. Où est-il, Nekfeu? Nekfeu, tu peux l'esprit, moi j'invite Nekfeu, invoquer l'esprit de Yérim Sarr. Yérim Sarr, qui peut venir en peignoir. Est-ce que tu as une réponse, Yérim? Allez, l'autre esprit est en train de dormir, Zabbi. Bah, cet esprit a foiré, voilà. Moussa Karamoko? Moussa Karamoko. Tu sais pas avec qui il a joué? Non. Frère, pourquoi t'es Zabbi, frère? Putain, on a un esprit, il est en train de dormir. Moussa Karamoko? Si, il a joué avec Samir Zerouki. Avec qui? Avec Samir Zerouki. Si, est-ce qu'on peut vérifier ça? Si, vérification. Là-bas. Vous il a joué dans quoi? Il a joué dans Validé, espèce d'enfoiré. Ça, c'est génial. Ça, c'est très, très beau. Je te crois tout pas. Tout ça sera voilà, gardé, évidemment. Samir, tu sais très bien. C'est vrai qui, Samir? Ah, Samir. Mais Samir. Oui. Samir. Il était en vacances avec lui. Il était en vacances avec lui. Mais je connais pas son nom, ouais, j'appelle Samir, ouais, j'appelle Samir pour moi. Ça s'arrête là, cette épreuve, il la gagne. Merci, oh, merci. Il la gagne, cette épreuve. Merci. Mais quand est-ce qu'il a joué avec Laurent Lois qu'il a dit? Quand? Mais y a il a dit Laurent Lois. Ouais, ouais, Moussa Karamoko. Il a joué quand? Là avec... n'est pas le but. Ah mais si, mais si. Non, dis-leur. Mais non, mais attends. Non, les gars, vous confondez tout. De toute façon, t'as essayé de m'arnaquer. Non, oui, évidemment. Mais pas du tout. Mais dis-le, on dit tout. Vous êtes vraiment des saletés, j'en prends autant. 5 points pour eux. Mais un petit putain, alors ça. Mais c'est pas. Mais viens, on vérifie. Avant la dernière épreuve, vous allez avoir le droit. Ils ont fait un 5 il y a 2 ans. Vous allez tirer une carte mystère ou une carte puriste. Vous choisissez quoi? On choisit la carte. Mystère, on ils ont aucune confiance en leur compétence en matière mystère, de mystère, mystère, puriste. Mystère, non, 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 fais-moi confiance. Mystère ou puriste? Vas-y, je te laisse, alors, je te laisse. Choisis. Vas-y. Va nous porter la ligne, lui, cet enfoiré. En fait, on ne fera jamais gagner quoi que ce soit. Faut me lire ça. Faut lire à voix haute, hein. Eh, ou alors on a perdu du niveau. Je te crois pas. Voilà, c'est vrai. Je peux dire. Vous êtes des maudits. Le malus Micmill. Tout était réuni pour que vous soyez le meilleur rappeur de l'histoire, mais une très mauvaise gestion des clashs vous conduira à toujours vous mettre des bâtons dans les roues. C'est pas complètement faux. Vous perdez immédiatement 10 points. Pour vous consoler, rappelez-vous que vous avez sûrement des nudes de Nicki Minaj. Ou... Moins 10 points pour les DJ Zubby. C'est terrible, c'est terrible. Mais tout est possible avec la dernière épreuve, le blind test. Dernière épreuve, 24-77. A priori, vous avez gagné. A priori, oui. Mais il y aura, a fortiori, 10 points par bonne réponse au blind test. Ça fait plaisir. Le thème du blind test sera des sons de BO de films ou de séries. Ok. On va donner 10 points quand vous trouvez rappeur et titre, 5 points si vous trouvez l'un des deux. Ok, okay. D'accord. Okay. On envoie le premier morceau, s'il vous plaît. Ici? Bah oui, pas si, les flammes du mal. Ma société m'a craqué. Absolument. Morceau suivant. C'est ici. Mais non, c'est nous qui vont buzzer. Non, pardon. La VAR me dit quoi? La VAR. C'est là, on est d'accord. Mais frérot, t'as changé, toi, depuis que t'as plus de char. C'est Michael Lieu. Ouais. Alphonse Brown. Bien sûr. Est-ce que vous avez le film? Ça, c'est accessoire. C'est pour le film. Bravo. 10 points. On passe quand même à 97 à 24. Ça devient très compliqué pour vous, messieurs. C'est un peu humiliant. Moi, je vais arrêter. Le prochain est un gros classique. Ah. Karine avec Death Bond sur la BO de Taxi. Est-ce que tu as le titre du morceau? Tu me plais. 10 points ici, morceau suivant. 107, j'ai une commande McDo. Retour aux pyramides X-Men. 10 points ici. Est-ce que vous voulez que je donne
20 points par bonne réponse, mais ça veut dire qu'ils peuvent s'envoler. Ouais, moi, ouais. Je voudrais qu'on arrête de rappeler le score parce que ça devient humiliant. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup là, voilà. 30 points par 30 points par bonne réponse. Frère, c'est que 30 je points. Oh là, voilà. Kim, s'il te plaît. Bah, 30 il tente points. Une remontada. Mais j'appuie. Morceau suivant. Tommy Bugsy dans Ma cité va craquer. C'est pas ça, mais c'est pas grave. C'est la haine, ouais. De la haine, c'est Tommy Bugsy et c'est le titre, c'est. Mais il a un Shazam dans les oreilles. Sacrifice de poulet. 30 points. Oh là 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 là. Celle-là, bravo. Ça a l'air belle, ça. Oui, c'est Minister Hammer, mais c'est un Souls Tommy. Parce qu'on me dit que c'est pas. La VAR me dit c'est pas Tommy, mais. Ouais, Minister Hammer. C'est crédité Minister Hammer, mais c'est un Souls Tommy, donc je ne suis pas obligé de l'accepter. C'est complètement Tommy. Morceau suivant. C'est bon. C'est là. C'est bon. Tunisiano. Non, mais t'es à la mort. La rumeur, il a dit. Non, pas la rumeur. Comment t'appelles ça? La caution. T'es à la mort. T'es mort. T'as moins 30. Je suis obligé. Moins 20. Y'a pas de problème. Il a dit, c'est une fois dans l'Ouest. 20 points. Vous passez à 4. À chaque fois, il a Teco. Je suis obligé de le faire. Alors, c'était la caution avec T'es à la mort. Vous avez le film, j'imagine? Ocean 12. Bravo. À partir de maintenant... J'ai jamais vu. 100 points par bonne réponse. Oui, monsieur. Voilà, c'est trop. Ça fait plaisir. Quoi, 1000 points aussi, t'as qu'à faire. À partir... Me chauffe pas. Morceau je suivant. Buzz, même si je connais pas, je buzz. Bien sûr. Ah ouais, c'est là. C'était là. L'Algérino, Taxi 5. Oui, le titre du morceau, est-ce que tu l'as? T'inquiète même pas. Moi, je l'ai. Si tu l'as pas. Va bene. 100 points. L'escroquerie. Oh, l'escroquerie. C'est bien. C'est incroyable. Oh, l'escroquerie. Je propose qu'on repasse à 50 points. Moi, j'ai l'impression à 50 points. Morceau suivant. C'est là. Je te jure que c'est là. Merci. Il a dit à vous dire la réponse. Merci. Mais dis la réponse. Abouga, Benjamin Brandon. Est-ce que vous avez le film? Commandement. 50 points ici. Dernier morceau. Tout se joue là et on joue pour. 200 points? Non. Ouais. On joue pour 100 points. Ok. Morceau suivant. Mais Brahim appuie! Attention, dites rien, parce que peut-être qu'ils vont pas avoir. Facile, pour ce nouveau millénaire, c'est ça, millénaire, c'est quoi? Tu as le titre déjà. Faut l'arrache, ça, millénaire. 50 points déjà. Millénaire, j'ai déjà 50 points. Il y avait un nom de collectif. Oui, c'est un collectif, ça, comment il s'appelle? Pourtant, on a gagné! Vous prenez les 50 points. Mais pour la gloire, on aimerait bien la trouver quand même. Comment tu dis un en anglais? One. One Piece. C'était One Shot qui prenne 50 points quand même. Et nous avons une victoire assez écrasante des MC. Assez humiliante même. Alors c'est, avec 247 points, est-ce qu'on peut les applaudir quand même s'il vous plaît? Moi je veux qu'on applaudisse, Tu vas applaudir. Applaudis-moi. Bravo en tout cas. Hein. Bravo, et c'est pas grave pour Batman. Allez, on oublie ça. Allez, on oublie l'histoire de Batman. Alors Sam, tu es officiellement le meilleur rappeur français. Franck, tu es le meilleur réal français. Donc vous allez devoir faire la promo des gagnants. Ah bon, de devoir venir ici, faire la promo, une promo commune. Bonsoir à toutes et à tous. Salut. Ça fait plaisir. Alors là, il faut savoir qu'on a affaire à... Un bon binôme. Ouais. Qui fonctionne. Il l'a prouvé. Apparemment. Ils l'ont prouvé. Vous allez le retrouver sur Validé. Ouais. La série de Monsieur Franck Gastambide qui est ici présent. Voilà. Ça sort le 20 mars. Et on est aussi dedans. Ouais. Hakim, il joue le rôle d'un méchant. Je joue le rôle d'un gentil. Voilà. C'est simple. Bravo, il joue le rôle d'un méchant. Ouais, bravo. Comme vous venez de perdre, ouais. Hakim, peux-tu laisser le contrôle d'une story Instagram à Franck et... Bien sûr, frérot, c'est juste que j'ai de la batterie. Vous pouvez la faire à la manière d'Hakim Djemili, n'hésitez pas. De toute façon, je commence... c'est facile, faut dire super. Je commence à les connaître. Super. Sublime. Alors, on est dans le... Les scooters. Bravo. Oh, le bâtard. On est dans le rap-jeu. Oula, les frères, je suis énervé, là. Là, il faut que je fasse le débrief, parce que... Mbappé, oula. Il a 20 ans, les frères, les scooters. Ça ressemble à ça. Ça ressemble vraiment c'est à vraiment ça. Bien ça joué. Ressemble vraiment à ça. On est en direct de rap-jeu, et on a gagné, et on a... Merde. Bon, on a peut-être pas gagné. Je sais pas, faut pas spoiler. Et en tout cas, Mehdi Maizi, la légende. Et regardez, tu sais, le et les perdants, là, les losers. Quand ce gros, elles sont bérées. Il a triché d'une manière. Et quand vous allez voir, ouais, la ça, vie ouais. de ma mère, c'est honteux. Il a triché d'une manière. Il est passé du coq à l'âne, Zarma, il a trouvé la réponse. Bravo. Je pense qu'on peut applaudir.
Très très belle victoire quand même hein, de Franck et Sam, il faut bien le dire. Merci à vous, merci beaucoup Franck, merci Sam, merci Brian, merci à qui. On rappelle donc que la série sort aujourd'hui, le 20 mars. Allez la regarder, c'est quand même la première fois qu'on a une série sur le rap. Merci beaucoup, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et aussi, attends, quand même, la série sort le 20. Oui. Et aussi la BO. Et la BO, bien sûr. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et surtout à activer cette cloche. Merci à tout le monde. Merci. Et on se retrouve dans deux semaines.